voulais pas qu'elle soit entourée de tristesse. Je voulais qu'elle soit entourée d'amour, mais aussi de force, parce que je suis persuadée que c'est ça qu'elle ressent. Ça pique. Ah, ça pique. Tu traces, papa, tu piques. Rentrez, rentrez, venez. Bah ouais. Ce qui est bien pensé, c'est qu'on peut tourner avec un fauteuil. Je suis en train de tout salir. On peut aller dans la chambre. On peut ressortir dans la chambre. Voilà, tout est bien. Le fauteuil a bien sa place. Et c'est joli. Ça, c'est vrai que c'est fait avec goût. On peut même glisser un fauteuil sous le lavabo. Là, on peut se mettre là. C'est parfait. C'est vraiment pensé par une maman qui a un enfant handicapé qui s'est retrouvé confronté à ces problèmes. De retourner dans le travail qui était mon travail d'avant, ça n'avait plus vraiment de sens. Et pourquoi ça n'a plus de sens? Parce que j'ai réussi aussi à prendre un recul vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce que j'étais avant. Et finalement, ce que j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est tout à fait différent. La maladie d'un enfant, ça irradie. Ça irradie l'enfant en tant que tel, mais ça irradie forcément ses parents. Transformer notre expérience difficile en un projet, j'allais dire, d'intérêt général ou un projet d'intérêt collectif, qui permettra demain à des gens qui seront comme nous, qui auront la même destinée, j'allais dire, de peut-être vivre les choses différemment et de manière plus douce. C'est la future salle Andy Balnéo qu'on a appelée la Marocanard. Le but, c'est de proposer à des personnes qui ne peuvent plus aller dans les lieux aquatiques de droit commun la possibilité d'avoir un accès à l'eau. Un accès à l'eau qui va se concrétiser avec un énorme spa là, en plein milieu de la pièce. Il y aura un lève-personne sur rail en fait au plafond. Ma fille, hein, c'est pas compliqué, elle fait fauteuil roulant, elle fait lit médicalisé, fauteuil roulant. Pour un corps qui a besoin de bouger, c'est parfois extrêmement douloureux, donc c'est la possibilité de bénéficier des bénéfices de l'apesanteur et de pouvoir se détendre un petit peu, souffler. Elle est équipée d'un matelas à eau chauffant, de fibres optiques, de colonnes à bulles, d'un ciel étoilé, de barres fluorescentes. Et en fonction des personnes qu'on va accueillir, on va adapter l'accompagnement et le matériel nécessaire. Par exemple, ça va être ça. Alors, les enfants adorent, hein, ils vont mettre leur visage, ils vont mettre leurs mains, ils vont toucher. Mais ça va aussi créer des sensations. Elle, ce qu'elle aime, c'est juste qu'on lui porte une attention et qu'il y ait de l'interaction qui est un petit peu... J'avais tiré une croix en me disant bah, de toute façon, voilà, faut que j'accepte de plus l'emmener en vacances. Et puis là, je me dis, bah non, c'est vraiment une solution pour l'emmener en vacances ici. C'est ça qui est super. Vraiment. Elle a révélé le meilleur de nous-mêmes et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder.